Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Alors attention les enfants, surtout après avoir vu cette vidéo, n'oubliez pas qu'il faut bien mettre sa ceinture quand on conduit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va jouer aujourd'hui à Need for Speed de Most Wanted. Sorti en 2005 sur PS2, PC, Xbox, Gamecube, PlayStation Portable, ça se trouve il y a même une version Game Boy Color qui est sortie, j'en sais rien. Mais bon, enfin voilà, qui est sorti en 2005. Le premier Need for Speed un petit peu... on va dire qu'il n'est pas dans la nuit, et ça c'est génial. On va mettre un petit nom, donc Byspace non, Lowercase, comment on fait pour revenir en arrière? Genre si je veux supprimer, on fait combien? Backspace, ok. Allez, c'est parti, on va mettre notre petit pignon, et puis après on va lancer la partie. On va faire Done avec Start. Ouais, c'est bon. Attention de ne pas retirer la carte mémoire de PlayStation 2. Alors, il va y avoir du copyright. Donc, on va juste se calmer un petit peu. Je vais baisser un tout petit peu le son de musique, je suis désolé. Moi, j'aurais adoré le mettre à fond, hein, concrètement. Mais là, on va au niveau des copyrights, ça j'ai pas envie de me faire striker la vidéo, donc on va pas le faire. Game music volume, on va laisser comme ça. Sound effect, on va le garder au maximum, donc on va faire accepter. Un petit tour dans le menu options pour voir qu'on peut aller aussi dans la partie vidéo pour mettre le mode widescreen. On ou off. On va le laisser en off parce que évidemment vous aurez compris qu'on était en... Et quoi qu'on est en 16.9, en fait on n'est pas en 4 tiers. Pour le laisser comme ça. Bon, on verra après. Screen X, screen Y. Je sais pas trop l'intérêt. After adjust brightness, ok. Donc on va accepter. On va ensuite passer au gameplay. On a l'autosave, game moment camera, donc ça c'est quand on saute en général, qu'on fait un saut énorme, on peut voir la vidéo un petit peu vue de l'extérieur. Car damage, oui bien sûr. L'unité en impérial, on va laisser tomber, on va mettre du métrique. Alors le jeu est en anglais, je suis désolé, hein, mais on peut pas tout avoir. Il y en a un qui va être content que je fasse ce jeu, je sais pas pourquoi, ça émet... Je sais pas pourquoi, mais il y a un mec qui me l'a redemandé 40 fois peut-être. Allez, c'est parti. Donc, payer, on a la gestion des comptes utilisateurs. Les contrôles. Donc, comment ça se passe? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on accélère avec le X et on freine avec le carré. Évidemment, on a d'autres modes qui permettent d'accélérer avec, j'imagine... Même pas, non? Parce que la grande mode à cette époque c'était d'accélérer, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, d'accélérer avec les gâchettes. Seulement vous imaginez que sur PS2, le problème de ça c'est que accélérer et freiner, comme la gâchette à l'arrière, elle n'est pas progressive et que c'est en mode on-off, donc appuyer, pas appuyer, bah en gros on pouvait pas trop doser l'accélération. Ce qui n'est de toute façon pas plus le cas ici, puisqu'avec le bouton X on peut pas doser. On va garder ça, oh il y a la vibration. Par contre ça je vais l'activer, hein, parce que... Oh ça marche en plus, magnifique. Alors, il y a tracks. Le trailer, alors on a les trailers de d'autres jeux, hein, dont un jeu ultra pourri qui s'appelle SSX One Tour, voilà, merci, merci d'être passé IE, mais c'était mieux avant, tout était mieux avant d'ailleurs avec IE, enfin, en général. Mirror's Edge 1 était mieux, SSX 1 était mieux, enfin les premiers SSX étaient mieux, et tant d'autres choses. Bon, allez, c'est parti, donc ce qui nous intéresse là, c'est évidemment le mode carré, on va commencer tout de suite. Encore une fois, désolé pour le jeu en anglais, mais bon, c'est ça ou rien. Start carrière ou
chargé, donc on va faire nouvelle carrière, parce que je n'ai pas de carrière enregistrée. Et donc c'est parti, je crois que ça commence sur une cinématique, donc je vais me taire. Peut-être augmenter même le son. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Ok, donc là, oui, je me suis complètement loupé. Je pensais que j'accélérais, ça accélérait pas. Donc j'ai appuyé sur la gâchette, ça n'accélérait pas non plus. Donc là, on est en pleine course-poursuite. Et en gros, le mec il dit en plus de gagner ta voiture, je gagnerai ta meuf. Donc bah, il va falloir aller vite quoi. Donc on a une petite mini-carte en bas à gauche qui nous permet de voir à peu près où on doit aller. Ok. Six jours avant, entrée de Rock City. Évidemment, ils nous ont pris le permis parce que si on se fait gauler, au moins, bah, les flics ne peuvent pas nous prendre le permis qu'on a. Ce qui est débile, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on va faire des conneries avec les flics, on n'aura jamais le permis. Street to run on. This is a nice car. Gauges, shifter, wheel. Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky.
nice pinstripe. Putain, mais quel enculé celui-là! Ma voiture, putain! Allez, c'est parti, 4 jours avant. Donc, évidemment, on a continué de faire le con avec notre bagnole. Hein. Un départ parfait, perfect launch. Donc vous l'aurez compris, on a eu énormément de bol de pas se faire arrêter. Alors j'ai envie de juste faire un truc. On va peut-être tenter le mode, changer le mode d'affichage parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Donc attendez, on va juste faire ça. Hop, vous savez que je galère toujours évidemment pour rendre un truc une copie parfaite. On va faire resume race. Bon, ça a l'air de bugger pareil. Bon, c'est pas grave. Donc ce qui est pas mal, voilà, c'est qu'on est plus dans la nuit, on est plus dans le... comme dans Need for Speed Underground 1 et 2. Là on est... c'est toujours une ville ouverte, même si là, bon, c'est un mode circuit, donc on peut pas aller où on veut. Mais c'est un monde ouvert, et ça c'était vraiment génial à l'époque. Comme l'était d'ailleurs Underground 2. Je sens que ça va finir en mode hardware cette connerie. Oh là là là, et c'est l'accident! Alors on a de la nitro, regardez, je peux appuyer sur L1 et ça m'active donc la nitro. Tout simplement. Que je peux recharger en faisant des conneries, il me semble. Soit en roulant sans serveur, soit en driftant, enfin il y a pas mal de choses. Un peu comme le burnout mode. Évidemment, il y a du trafic devant nous. Ça va finir en mode software cette histoire. Oh là, mais je fais n'importe quoi. On a fait déjà 93% et je vais me foirer à l'arrivée. Voilà, bravo, c'est génial. Est-ce que je peux recommencer? J'en profite pour mettre le mode software, hein, comme ça on n'aura pas de bug. Pardon, excusez-moi. Directive software, on met software, hein, tant pis. Je pense que là ça devrait tenir, on va faire restart. Redémarrer la course. Ah non, mais alors là je veux pas perdre dès le début. J'ai pas fait un meilleur départ par contre. Bon, c'est pas spécialement mieux, hein, vous l'aurez compris. Mais quoique, ça a l'air quand même plus joli. Donc c'est... Enfin, en tout cas, de manière perso, c'est pratiquement un de mes Need for Speed favoris. Même si j'en parle très très peu, parce que ce jeu a quand même beaucoup beaucoup vieilli. Tout simplement, c'est pas tellement ce que je vous ai dit avant, le fait qu'on soit pas de nuit ou pas, à la limite, ça on s'en fiche un peu, même si j'ai toujours préféré la journée que la nuit. C'est surtout parce que bah, y a le retour des flics, quoi. Need for Speed Underground 1, Underground 2, il n'y a pas de flics. Donc en fait, on avait un monde ouvert dans Need for Speed Underground 2, mais hormis faire des courses, piper sa voiture, etc., bah, on de toute manière, on s'ennuie un peu. Alors que là, bah, c'est un petit peu tout, dans, tout en un. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. Je vais ralentir un petit peu. Alors le maniement est toujours aussi arcade. C'est-à-dire vraiment les voitures sont assez faciles à manier. Sauf si vraiment pour une voiture ultra pourrie. Mais voilà. Bon après on a une des meilleures du jeu, hein, faut le savoir dès le début. Je ne spoil pas la suite si vous n'avez pas vu le jeu, vous allez comprendre. Parce que là vous l'aurez compris, on est 4 jours avant une certaine date. Alors on a d'autres vues, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait select, c'est pas ce qu'il fallait faire. J'espère qu'on va quand même gagner. Ouais c'est bon, on finit devant. Et du coup voilà, on peut voir donc notre voiture, le fait qu'on a gagné, l'argent qu'on a emporté, c'est-à-dire 10 000 crédits. Et donc on a eu de la chance au début puisque on s'est fait gauler, mais finalement ils ont trouvé une autre voiture, c'est plus important pour eux, du coup bah ils nous ont rendu les clés et on est reparti. Qu'est-ce que je t'avais dit?
another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked? Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Ooh, baby. Évidemment, hein, voilà. C'était l'époque où Ye se kikoulisait un petit peu quand même. Ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. Says my boy'll smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody, and I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah, this here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got it. Donc là on fait la présentation des mecs qui sont dans le top niveau en fait, et ce sont des gens qu'on va devoir battre un peu plus tard. Why don't we make it 10 grand? Oh yeah, you wanna amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Et là, cet enfoiré, il appelle les flics en gros. Donc, il en doit se voir devoir se barrer. Je ne veux pas voir ta tête encore. Alors, c'est parti. Donc on va se battre contre lui. Contre une jolie Mercedes d'ailleurs. C'est un perfect launch. On est parti en tête. Bon, c'est un petit dommage sur un petit carré, mais je pense que c'est un peu moins désagréable que tout à l'heure. Là, il y a des flics que l'on ne peut évidemment pas esquiver. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est qu'on a la possibilité de ralentir le temps. C'est-à-dire que par exemple, on se retrouve face à une herse par exemple, ou un barrage de flics, on peut ralentir le temps. Alors par contre, pour ralentir, je sais plus ce que c'était. Je sais pas si c'était pas rond. Voilà, vous voyez, j'appuie sur rond, ça ralentit. Si j'appuie sur rond, je repars à la vitesse normale. Alors ça, c'était totalement cheaté. Hein. En gros, hier, ils ont placé tous les trucs de l'époque, le bullet time, la nitro, le monde ouvert, les flics, enfin ils ont tout mis d'un coup. Tout ce qui faisait le succès limite d'autres jeux. Et donc là vous voyez on est en tête. Il nous reste que quelques mètres à faire, il nous reste 300 mètres à parcourir. Et on a gagné. Bon, pas très compliqué pour un début, évidemment, hein, même si j'ai foiré le début, quand même. Mais, voilà, deux jours plus tard, enfin, deux jours avant. Donc, un jour après. Faut suivre. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Donc là, c'est une course à 4. Perfect launch, mais tous l'ont fait. Alors là, j'ai freiné, mais je suis trompé. C'est la nitro que je voulais utiliser, c'est L1, hein, pas R1. Alors le jeu crash, enfin la console crash littéralement ses tripes hein, sur la PS2.
Je me souviens sur la version du jeu original, des fois il y avait des ralentissements. Parce que la console elle est au taquet, hein, là, on est en 2005, hein, la PlayStation 3 arrive dans un an. Et, enfin elle arrive dans un an surtout partout dans le monde. Et donc on est dans les derniers jeux, les derniers gros hits sur PS2. Après il y a deux tours à faire, on le voit sur le petit écran en haut à droite. Alors vous remarquerez qu'il y a pas mal de raccourcis sur les côtés, à droite à gauche. On peut choisir un petit peu le chemin que l'on souhaite emprunter. Certains vont nous faire gagner du temps, d'autres non. Alors moi pour avoir fait le jeu, enfin pas entièrement, loin de là, hein, pour avoir fait je crois la moitié du jeu. Il y a longtemps, sur PC je précise. Il y a quelque chose dont je me souviens que vous allez voir un peu plus tard. C'est là que j'ai fait « Oh !» C'est pas mal. J'ai complètement loupé d'ailleurs, sans cette relance. Mais... Ah. J'arrête de freiner, hein. Je me trompe à chaque fois, j'appuie sur L1. Sur R1, ouais, d'appuyer sur L1. Ah, je joue trop, j'en ai plus. Vous voyez, elle est en train de se recompléter en bas, la petite barre verte. Se remplir à nouveau. Non, ne me dites pas que je termine dernier, s'il vous plaît. Enfin, deuxième, quoi. Ah, juste parce que je me suis foiré, que j'ai freiné, quoi. Ah, c'est là la fin, c'est là la fin, c'est là la fin. On termine deuxième. Bon, ça aurait pu être pire. Donc, on va faire sortie. On a terminé qu'à 2/10, hein. C'était pas si loin. Bah, résume carrière, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on va le refaire là? Ok, donc à mon avis, il faut gagner la course obligatoirement. C'est pas grave, on va recommencer. Alors le jeu est toujours aussi aliasé, hein, c'est le gros défaut, toujours de la PS2. Par contre les voitures sont super bien faites, hein, faut se dire, c'est comme dans le 2, comme dans le 1, elles ont vraiment mis de bons détails. On peut toujours customiser ses voitures, ça c'est toujours le truc bien. On peut améliorer aussi leur performance, leur puissance. J'ai hâte de toute façon de vous montrer le mode carrière en fait. Le vrai mode carrière, parce que là en fait pour l'instant on suit l'histoire, mais derrière ça il y a d'autres choses à... Là on est un petit peu dirigé, on peut pas faire ce qu'on veut pour l'instant, on est obligé de faire la course comme ils nous disent. Mais ensuite après on va se retrouver dans le monde ouvert et on pourra faire un peu... On pourra se balader tranquillement. Un peu comme le mode cruise de Milton Madness ou un GTA. Mais ça va vite quand même, hein. Bon. Voilà, dans l'endroit piste cinématique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Bon là, je me suis tellement planté que finalement on voit pas grand chose. Et un tour de fée. Ah par contre ces petits carrés, je sais pas d'où ça vient. C'est bizarre. Pour l'instant on leur met avant. Alors je vous ai pas parlé effectivement en haut on a une petite sorte de petit panneau noir avec des points là. Bah, c'est tout simplement quand il détecte un policier, bah, il va nous prévenir qu'il y a des flics pas loin, donc soit on s'amuse à changer de côté pour pas les choper. Soit bah, malheureusement être obligé et on sait qu'on va se faire du coup courser par la police. Et plus si affinité, parce que il faut pas que nous courser. Hein. Vous allez le voir. C'est d'ailleurs ce qui est génial dans ce jeu, j'ai hâte de vous le montrer quand même. Allez, on a gagné. Yeah! Oui, donc voilà, effectivement, on peut faire continuer et pas exit. Donc on est obligé de gagner cette course si on veut continuer le jeu. Tout simplement.
pas de place à la deuxième, troisième ou quatrième place. Et voilà, donc là ça va être bah, notre grand rival. Voilà, donc là on va faire un challenge contre le rival numéro 15. Ça vous rappelle pas un truc? C'est exactement la même vidéo que tout à l'heure. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Grosse tête de con. Et c'est parti. Allez, un petit coup de nitro pour gagner un peu de vitesse. Voilà. Et là donc on court contre Razor ou Razor. On parlera faire à la française. Donc là vous l'aurez compris, en fait on se bat contre le dernier en fait, contre le boss final. Oh, il s'est pris la voiture de flic, il s'est pris le mur, il est allé tout droit. Ça, c'est marrant parce que je me souviens pas que ça me l'ait fait à l'époque quand je jouais. Et ça, c'est ce qui était vraiment trop immersif, c'était ce que disaient les flics entre eux. C'était génial, ils te décrivaient la voiture, etc. Ils disaient où il était, ce qu'il avait fait. Enfin, c'était... Enfin, voilà, c'est une partie que j'adore vraiment dans Need for Speed Most Wanted, c'est ça. On a 56%, il reste plus que 40% à faire. En gros, il y a une trace d'huile sur le sol, il faut absolument que je finisse la course rapidement parce que la voiture va caler. T'es qu'une merde, t'es qu'une merde.
Et les flics qui arrivent. Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Donc voilà, ils cherchent la voiture, mais évidemment on l'a plus, mais ils s'en foutent parce que de toute façon on s'est fait arrêter, donc c'est terminé. Et il nous a fait un gros coup de pute l'autre, tout simplement en sabotant la voiture avant le début de la course. Mais on a un autre ami qui va venir nous chercher à l'entrée, enfin à la sortie de la police. Alors c'est ce qui est pas mal dans cette vidéo, c'est voilà, c'est l'incrustation entre le jeu et le jeu et les personnages en fait. Bon, c'est très moche, c'est très mal fait maintenant. Maintenant c'est totalement ça nous paraît mal fait pour notre époque, mais à l'époque c'était quand même plutôt réussi. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Ah, cette musique. Donc, bah voilà, bah on va revoir prendre tout à zéro. Hein. Vous avez vu la petite liste, il va falloir battre 15 des meilleurs drivers de la ville, dont notre ennemi numéro 1, Razor, qui nous a en passage récupéré la bagnole et l'a mise à son nom. Voilà. Et là, donc, c'est là que ça commence vraiment le jeu, c'est ça qui est pas mal. Alors, vous allez pouvoir voir qu'on peut débloquer des voitures un peu plus tard. On est passé directement pour la voiture la plus rapide, hein, puisqu'on a ça. Mais nous, on va se contenter d'une petite Lexus IS200, par exemple. D'une Fiat Punto, ça donne super envie, je vous l'accorde. D'une Cobalt SS, une Golf GTI. Alors vous voyez, elle est débloquée, mais on peut pas l'acheter parce qu'on a que 30 000 de cash. Et c'est pour ça que le cash qu'on a gagné au début... En fait j'ai de la merde, non. En fait peu importe ce qu'on aurait gagné au début ou pas, on aurait quand même le même cash. Parce que si j'avais gagné 10 000 de moins par exemple tout à l'heure, eh ben j'aurais pas pu acheter les voitures du début. Donc voilà, une S300, une Punto, une Cobalt SS, une Golf GTI. Et par exemple, là, on aurait pu acheter une TT 3 litres de Quattro, mais on n'a pas débloqué la voiture. On a une Mitsubishi Eclipse. Je vous montre un peu tout, parce que de toute façon, on ne pourra pas les voir, parce qu'à moins de finir le jeu en direct, ça ne sera pas possible. On a une Toyota Supra. Une Clio V6. On a une RX-8. On a une Cadillac CTS. Une Mustang GT. Une Lancer Evolution 8, une SL500, une Pontiac GTO. Alors ce qui est marrant, c'est... Vous voyez les stats quand même, on a beau être déjà à la moitié des voitures disponibles, les stats sont quand même assez basses, tout simplement parce qu'on va pouvoir les améliorer ensuite. On a une Vauxhall Monaro VXR, une Cayman S, une WRX, donc une Subaru Impreza. On a une RX-7. Une CLK 500, une Lotus Elise, là on commence déjà à avoir des voitures un peu plus rapides, une Aston Martin DB9, il y a quand même pas mal de choix, hein. Ça c'est vraiment bien, une Carrera S, une Viper SRT10, voilà ça commence, on a Lamborghini, bon alors on a passé un cran au-dessus encore, une 911 Turbo S, une Corvette C6, une Murcielago, une Ford GT, et une Mercedes SLR McLaren, et enfin on l'a vu tout à l'heure, la Carrera GT. Alors je sais pas ce qu'on va prendre, j'ai envie de prendre une bouse, de toute façon c'est que des bouses. Si vous regardez les voitures au départ, en fait elles sont toutes différentes dans le sens où elle, par exemple, elle a une handling qui est très faible, mais un peu de top speed et pas du tout d'accélération. Celle-là elle a beaucoup d'accélération, moins d'handling, moins de top speed. Celle-là c'est l'inverse, celle-là une top speed qui est bonne, une accélération qui est moyenne et une handling qui est pourrie. Donc en gros, si on veut se faire chier, on prend celle-là. Dès le début, c'est-à-dire une voiture la moins facile à piloter.
mais la plus rapide, soit on prend l'emplature la plus facile à piloter, mais la moins rapide. C'est au choix. Donc ce que je vous propose, une Cobalt, pourquoi pas, une Puto, une IS-300. Je prendrais bien une IS-300, j'ai toujours bien aimé cette voiture. Ou une Altezza, enfin. Allez, on va la prendre. Et on va commencer. Enfin, le mode carrière, après 35 minutes de vidéo, incroyable. Je pensais pas que c'était aussi long. Moi, j'avais le souvenir de faire, en fait, la... Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Bon, l'avantage, c'est que là, vous voyez, c'est sous-titré ce qu'elle dit, donc ça sera plus facile pour moi de vous le traduire, puisqu'en fait, vous pouvez le lire en même temps. Ce qu'on a fait au début... Moi, j'avais juste le souvenir, en fait, de la seule course qu'on fait à la fin, et où on se fait... trafiquer la voiture, en fait, saboter la voiture, et du coup on se retrouve à pattes. Mais en fait il y a des courses avant. Bon. Allez, donc on peut faire done, delay, replay, on va faire done, donc c'est triangle. Donc là on a les messages par de voix, les messages par texte. Donc on peut les lire, on peut les supprimer. Et vous voyez maintenant on est tranquillou chez nous, et on est dans la ville, regardez. Je peux me la faire accélérer à fond si je veux. Je peux la faire drifter. Et quelque chose auquel j'ai pas parlé non plus, c'est que les voitures peuvent s'endommager. Enfin, quand je dis endommager, c'est surtout la carrosserie. C'est visuel, ce n'est pas grand chose. Et on n'a pas de nitro. Alors pourquoi on n'a pas de jauge nitro? Tout simplement parce qu'il faut acheter de la nitro pour pouvoir enfin l'utiliser après. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est nous diriger avec la flèche sur le lieu de la mission. Alors au passage, on a donc... on peut résumer, option, et je crois qu'on a une carte, mais la carte, je sais plus comment on l'affiche. Si je fais select, vous avez vu tout à l'heure, ça me reset. Si je fais R1, je fais une sorte de dérapage contrôlé, c'est comme si j'utilisais l'embrayage. Si je fais triangle, je peux regarder donc derrière moi. Si je fais rond, j'ai le timer, voilà, la petite horloge pour éviter des objets, éviter des flics quand j'en ai besoin. Et là, on va se rendre directement à la mission. Donc là, il nous explique qu'on a par exemple des choses qui me permettent d'acheter des accessoires, d'autres qui me permettent de changer les voitures, d'autres qui peuvent... je pense que c'est réparer la voiture. Et d'autres, c'est des courses. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Bon, on les a expliqué qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'en gros il va falloir battre tout le monde dans la ligne dans l'ordre pour pouvoir arriver jusqu'à notre ennemi suprême. Donc lui, c'est Ohun. Ohsun, je peux comprendre, Ohsun. Et donc on a droit à sa bio, voilà. Je n'ai pas compris, mais au moins vous aurez le temps de lire. Et il roule en Volkswagen GTI. Donc c'est la première... C'est notre première cible. Et vous voyez, c'est un style, c'est un parti pris qu'avait pris EA à l'époque pour le jeu de voiture, pour SSX, etc. C'est d'avoir un mode street avec beaucoup de tags, etc. Enfin, alors c'était un truc que je détestais. S'il y a vraiment un truc que je peux reprocher à ça, mais c'est juste mes goûts en fait. Il y en a qui adorent, je les respecte, mais moi je détestais ça. Et ça m'énervait. Ça fait genre, ouais, c'est super cool, c'est l'américaine, vraiment, ça me gonfle. Mais bon, on va dire que c'est plutôt bien fait dans le jeu, donc ça passe. Alors, pour pouvoir battre Sony, il faut qu'on ait un certain nombre de victoires et de kilomètres parcourus. Une fois qu'on aura réussi tout ça, on aura peut-être la chance de se battre contre lui. Et donc, du coup, maintenant, on a quelques événements. Donc, par exemple, on a les événements course et les événements milestone, je sais pas ce que c'est. On a Bounty, je crois qu'apparemment Bounty c'est des courses où il y a les flics, je crois. De toute façon, ce que je vous propose c'est de tenter les trois. On va faire par exemple Race Event pour commencer. Et on va faire
un autre truc. Donc pour l'instant, on a un circuit, on a un sprint. Donc les sprints, la différence, c'est que c'est pas un tour à faire plusieurs fois. C'est on part d'un point et on finit à un autre point qui est totalement différent. Et enfin, on a un lap knockout. Et en fait, sur trois tours, c'est simple, c'est que le dernier de chaque sur chaque tour est éliminé. Du coup, il va en rester plus qu'un. Allez, c'est parti, on va faire la première course et on va lancer cet événement. Et en plus, il pleut. Ah ouais, une voiture, elle est pas du tout tunée, elle est dégueulasse. J'ai fait un perfect launch. Donc là, ça va être beaucoup plus lourd hein, par rapport à tout à l'heure, vous allez voir. Alors les effets de lumière sont quand même vraiment bien rendus, hein, je trouve. On a beau être sur PS2, qui était la moins puissante des consoles, en tout cas de l'époque, quand le jeu est sorti, bah, ça rend quand même vachement bien. On a une distance d'affichage qui est quand même vachement grande, on a une ville qui est quand même gigantesque aussi, on a une vitesse d'affichage qui est quand même impressionnante. Là, je suis avec la voiture du début, hein. Et pourtant on a quand même une bonne impression de vitesse. On a du trafic, alors le trafic est assez faible là, parce qu'on est en campagne pratiquement. Mais le jeu est joli, le jeu franchement est joli. Voilà, le seul truc que je reproche à ce jeu, c'est vraiment l'aliasing qui est trop présent. Mais bon, à la limite, si vous avez un émulateur, vous mettez les filtres et là, vous allez voir, c'est le jeu peut être magnifique. J'ai mis une voiture d'or. Ouais, là, j'ai tapé un petit peu, j'ai la vitre qui s'est cassée et un petit peu le pare-choc avant, mais ça se fera rien de plus, en fait, dans le jeu. C'est pas comme dans Burnout, où, au bout d'un moment, la voiture peut être complètement détruite. Donc là, on va avoir un tour de fait. On a 4 tours à parcourir. Et on se bat contre Griffin, Sushi... Quoi ? Sushi et Rooney, eh, sans déconner, c'est quoi ce stéréotype de merde là, Sushi? À 13 secondes d'avance, bon évidemment c'est la première course, donc la difficulté n'est pas là. Vous allez voir que le jeu peut être très très ardu sur la fin, vraiment. Hein. Quand vous avez les flics à un niveau ultra élevé, et que vous restez longtemps sur une poursuite, ça devient vraiment vraiment galère, parce que là ils utilisent l'air, ils utilisent tout. Et ça devient quasiment impossible. Mais c'est ça qui est vraiment génial dans ce jeu. C'est pouvoir faire une course et en même temps avoir les flics au cul. Enfin, ça c'est le plus grand plaisir que j'ai trouvé à jouer à Most Wanted. Et qui m'a fait du coup aimer plus ce jeu que l'Underground 1 ou 2. Même si l'Underground 1 était quand même l'énorme claque par rapport au... Pour la première fois où il est sorti. Un peu comme Burnout 1 était une énorme claque à l'époque sur la PS2. Là, ça fait penser qu'il y a un jeu que j'aimerais vous montrer, mais enfin vous remontrer, c'est Rally Sport Challenge sur Xbox. Le problème c'est que bah, je ne peux pas le faire tourner, donc tant pis, parce qu'on fera la version PC. Le Rally Sport Challenge pour moi c'est un dirt un peu avant l'heure, mais bon, on en parlera plus tard. Donc là on a gagné. Alors, get the top of the blacklist and tank rather down. The blacklist is reached from your safe house in your in-game engage system. Blablabla, race 2, 2-way. Blacklist, milestone. Ok, donc j'explique un peu tous les types de modes de jeu. On va faire done. Donc là j'ai gagné. Mais je récupère ma liberté en fait. Je me retrouve dans la ville parce que je voyais qu'il y a un peu plus de monde quand même une fois que la course est finie. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on peut faire start normalement. On peut jump to safe house normalement. Voilà. Pas obligé forcément d'aller d'un point A à un point B, de souvenir. Et on va... Ah non, c'est blacklist. Non, on peut pas le faire en fait. Bon, je pensais qu'en fait on pouvait revenir et faire des missions rapidement. Non, il faut vraiment aller chercher les missions à l'autre bout de la ville s'il faut. C'est juste pour le top 15. Ah oui, par exemple, là j'ai des événements sur la carte. On va faire le tour et on va aller prendre l'événement bleu. Ça c'est donc une course... Ah, il faut klaxonner je crois. Comment il faut faire déjà? Mmh.
Comment il faut faire? Véhicule de haut. Attendez, je peux pas le faire. Ah, on peut faire crisser les pneus, je sais plus. Comment il fallait faire déjà pour ça? Non, c'est pas ça. Non, un bouton select, ça nous remet en arrière. Secouez-moi. Comment on fait? Comment on fait? S'il vous plaît. Alors là, je sais pas du tout. Comment je suis censé faire pour... Attendez, je vais sortir de là. Ah là, je suis un peu perdu là. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'aller là. On va aller ici. La place pour réparer la voiture. Eh mais sans déconner. Ah mais c'est la touche du haut, bah oui, j'ai utilisé les flèches. Ok. Donc là dans le menu customisation, on peut acheter, vous voyez, des trucs pour le véhicule. Donc par exemple, on peut changer. Bon, alors ça c'est là où c'est toujours génial, c'est comme les autres Need for Speed, c'est-à-dire qu'en gros... Ah bah là, liberté, on l'a, hein. Concrètement, on peut s'amuser à mettre des spoilers si on en a envie. Alors évidemment, on débloque pas tout dès le début. Ouais, si je veux aller là, bon, il faut être Blacklist Member 13, etc. Donc si j'ai envie de kékétiser ma voiture, je peux. Par exemple, j'ai envie de mettre un aileron à l'arrière, bah je peux le faire. On va faire back, on va pas le faire. Ce qu'on va faire peut-être c'est... Roof coupe, on a body kit. Alors, on a un body kit là à 4500... À 5000 pardon. On a un body kit à combien? Oh celui-là, il y en a qui sont immondes, sans déconner. Donc on va pas le faire, non, on va plutôt améliorer nos performances. Donc on va faire retour en arrière. Voilà, performance, et vous allez voir que c'est quand même assez cher si je vais par exemple pour le moteur et que je veux l'augmenter. Ça c'est le premier moteur, ça coûte 4000, ça coûte 5500, j'ai que 4500. Mais vous pouvez voir l'évolution de la performance au mieux. Donc là par exemple top speed on augmente un petit peu, là aussi. Là par exemple il faut être niveau 7 pour atteindre ces augmentations là. Donc on n'a pas du tout assez d'argent pour faire ça. Transmission on peut le faire, on peut rajouter la nitro. À la limite on va le faire, mais il faut être... Elle est déjà bloquée. Donc en fait il faut quand même battre le mec de niveau 15. Les pneus on peut les améliorer. Ça coûte 1400 et on peut toujours pas les acheter parce qu'on n'a pas battu les blacklists. Donc voilà, on est soit bloqué par l'argent, soit bloqué par tout simplement à quel niveau on est arrivé dans le jeu. Je suis désolé, je parle un peu vite mais il faut que j'aille vite quoi parce qu'il faut que je monte le maximum de trucs. Donc du coup j'ai compris comment on fait. Oh là, en plus elle accélère mais... Et oui, en plus je suis trop bête parce que vous allez voir quand il va montrer l'icône en haut à gauche pour la mission, il va me mettre faire flèche vers le haut, vous allez voir. Vous voyez ? Vers le haut. Donc là on va faire accepter. Et on va faire le deuxième événement. Et on se bat contre une Golf et une Pluto, je crois, je sais pas ce que c'est. Donc là, 4 sur 4, pas de tour à faire, c'est parti. Bon, ils sont gentils pour le moment, ils nous laissent passer. Oh là là, je fais n'importe quoi avec la bagnole. Ah ouais, quand la voiture commence à glisser, on perd énormément de grip et du coup la voiture accélère vraiment mal. Alors, quelque chose qui m'étonne en revanche, qui m'étonne depuis tout à l'heure. Y a pas quelque chose qui vous choque? Parce que moi, il y en a un depuis tout à l'heure qui me choque complètement. Et ben, il n'y a pas de. On ne peut pas changer la vue. J'ai fait toutes les touches, on peut pas changer la vue. Je vois des options, non, on peut pas. Hein.
Alors peut-être qu'il y a une touche spécifique, mais j'ai fait L1, L2, R1, R2, select, vers le haut, le bas, croisé, bâton. Vous voyez, par exemple, pour les stats, là, si je fais ça vers le haut. Mais c'est tout, hein, j'ai pas vu de touche pour mettre une vue capot, par exemple. Oh, je fais n'importe quoi. Alors c'est un jeu qui est plutôt long aussi. Il faudra vraiment faire pas mal de courses pour arriver jusqu'au dernier dernier rival. Alors il y a des packs qui existent pour la version PC qui permettent d'améliorer le jeu de manière vraiment vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les textures, les effets de lumière, le NB, enfin ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. C'est vraiment joli à voir. Et puis surtout, je crois qu'ils auront changé les voitures, ils ont rajouté d'autres. Donc si vous devez jouer à ce jeu, honnêtement, prenez la version PC. Surtout que même si vous avez un PC assez vieux, enfin on va dire qu'il date allé qu'il y a 8 ans, vous pourrez normalement plutôt largement jouer à ce jeu, parce que c'est un jeu qui est quand même pas si gourmand que ça. Pour info, quand j'ai joué à ce jeu, j'avais un AMD 64 qui tournait à 2 GHz. Et on a gagné. Et j'avais 512 mots de RAM. Et la carte graphique, je crois que c'était une 6600... Ouais, une 6600 GT. Donc, à l'heure actuelle, je peux vous dire que... Voilà, donc là, par exemple, on a les flics qui nous suivent. Donc le but, ça va être de les... Là, je fais n'importe quoi, mais bon. Ça va être de s'évader. Donc on a un bout... Vous voyez en bas, là, on a un petit graphique. On peut s'évader. Plus je vais vers la droite, plus je vais pouvoir m'évader. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ils nous suivent toujours. Je peux vous dire que s'évader avec une voiture comme ça, c'est pas évident. Alors, je peux démonter le flic, hein, si je veux. Là, par exemple, je l'ai mis avant. Et vous voyez, on a des points de triangle. Voilà, donc là, j'ai réussi. On a un cooldown. Et ben voilà, il nous a eu. Donc il va falloir absolument que je... Et à deux maintenant. Bon, pour l'instant ils sont plutôt gentils, ils font pas grand chose, mais plus ça va durer, plus... Ils vont me la mettre. On va essayer de rejoindre un triangle pour s'échapper. Ah! Je me suis complètement loupé. Ouais, par exemple, je peux casser ça. Et ce qui va se passer, c'est que les voitures derrière, voilà, elles vont se faire éliminer. Alors j'en ai éliminé qu'une, hein, j'en ai pas éliminé deux. Donc il va falloir que je prenne un autre triangle. J'appellerai ça les triangles, hein, je suis désolé, mais c'est la seule chose qui fait. Alors là on a un cooldown, donc là il faut que je fasse gaffe. Si j'ai retenu jusqu'au cooldown, normalement, voilà, on a réussi et on a mis fin à la poursuite. Et voilà, donc on a le petit compte rendu, on a tué, on a éliminé deux voitures. On a eu un temps de 2 minutes, donc on gagne des points bounty. Et du coup, 16700 bounty. On peut voir les infractions. Donc là, par exemple, ramming police véhicule, on a résisté à une arrestation, et on est sorti de la route. Voilà, donc pour pouvoir quitter, enfin pouvoir échapper à une course-poursuite, il va falloir donc s'échapper, avoir une distance entre nous et la police assez grande. Et on peut se cacher à certains endroits. Voilà, les Pursuit Breakers, c'est les fameux triangles qu'on a vus sur la carte. Donc on va faire Done.
Donc on va faire vers la droite, voir ce qu'on a à faire. I will meet you there. It's me, check out your map. It is the location I told you about. I meet you later. Ok. Je crois que c'était le premier message qu'on a eu d'ailleurs. Ah, the rich for racing the blacklist member. Ok. Non, je décode, j'ai rien compris. Allez, on va faire la petite course en violet. Quelle heure il est? 56 minutes. Bon, on va faire une dernière course. Donc là, le but, c'est de pas se faire... pas terminer dernier à chaque tour. Donc éviter de se faire éliminer. C'est bien, j'oserais monter une petite poursuite, ça c'est bien. Très mauvais départ. Oh attention. Oh j'ai paniqué complètement. Alors, est-ce que vous préférez ce jeu à Need for Speed Underground 1 ou 2? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, bien entendu. Alors, évidemment, je n'ai jamais parlé de Need for Speed Carbon, qui pour moi était un petit peu le Need for Speed de trop, enfin, en tout cas pour la version de nuit, même s'il améliorait quand même pas mal les graphismes par rapport au 1 ou 2. Je sais pas, c'est pas Need for Speed qui m'a vraiment passionné, je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai vraiment ratées en n'y jouant pas. Mais cette série ensuite qui s'est beaucoup dégradée en fait. Maintenant on n'attend plus un Need for Speed spécialement. Il y a eu des Need for Speed d'ailleurs très mauvais ensuite qui ont complètement gâché la série. Ils ont trop fait, ça n'a pas apporté grand chose. Moi je pense que le dernier auquel j'ai un peu joué c'est Need for Speed Shift, là il faudrait qu'on fasse. Qui d'ailleurs a cassé la série entièrement puisque ça a été un jeu qui a été beaucoup moins arcade, beaucoup plus simulation. Et ça n'a pas plu aux fans en fait, enfin il y en a qui ont aimé, mais ils ont été... minoritaire. Alors on est au deuxième tour sur 3. Pour l'instant on est en tête largement, donc si on fait pas de bêtises on devrait pouvoir s'imposer. Vous voyez le dernier est KO. Ross est marqué KO, c'est à dire qu'il s'est fait éliminer. Ouh la voiture, on a esquivé de pas beaucoup. Et hop, un autre éliminé. Alors le son des voitures sont plutôt bien faits aussi, bien rendus. C'est vraiment sympa. Non, c'est un jeu, il a pas beaucoup de défauts, hein, vraiment. En plus, il va pleuvoir. Regardez, le temps change. Alors ce qui est dommage, c'est quoi, la seule chose que vous pourriez me reprocher, et vous pouvez complètement... C'est pas hormis le jeu en français parce que ça gâche quand même pas mal. Enfin, l'immersion il est toujours hein, si vous aimez l'anglais. Mais les voix françaises au niveau des flics, franchement. En plus, ils pouvaient mettre la musique à fond, mais c'est ultra épique. Vraiment, hein, c'est. Pour moi, c'est la plus-value du jeu, c'est vraiment les courses-poursuites. Il y avait d'ailleurs Need for Speed Hot Pursuit 2 qui était sorti un petit peu avant. Faudrait qu'on joue un petit peu. J'ai la version PC d'ailleurs de ce jeu. C'est vrai qu'un jour on y joue. On aura fait pas mal de Need for Speed hein, finalement sur la chaîne. Et on a gagné. Et c'est parfait, puisqu'on est à 59 minutes. On va continuer. Et voilà. Et là on se retrouve du coup dans la ville. Tranquillement. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, on s'est arrêté sur le bord de la piste. Donc Need for Speed. Most Wanted sur PlayStation 2, un jeu que je conseille plutôt pour la version PC ou Xbox si vous la trouvez. Je crois que je suis pas sûr de la Xbox, mais il me semble que si, il y a une version Xbox. Normalement, il y en a une. Mais à mon avis, la version Xbox est beaucoup plus jolie. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Vous voyez, on a même les arbres qui bougent. Petit détail plutôt sympa. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère ne pas avoir oublié grand chose. Il y a évidemment la partie customisation que je vous ai montré, optimisation de la voiture, les courses, mais après, vous avez compris un petit peu le délire. Hein, c'est tout simplement se venger de son. Propre rival et récupérer sa bagnole. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde !